Bonjour à toutes et tous, c'est Jeffrey, la colère finie, et il semblerait qu'il faudrait juste se barrer du manoir. C'est cool. On chie. En fait, c'est la clé. Va nous poursuivre. Toi. Laisse-moi. Non. Oh là là, ça va être long. Ça va être putain ta. Il apparaît derrière nous. Hein. J'ai une boîte qui tremble sérieusement, sans déconner. Hey. Cassonce. Fonce. Non. Non. Casse-toi. Casse-toi. Ah. Autant exploiter les défauts techniques. Non. Je dois. Je dois some fucking fantôme. Quoi qu'il arrive. On va tout suivre, je suis tout seul. Je veux me casser. Et putain, non. Lâche-moi. Ralentis. Putain de merde. We did it. Oh putain. Youhou. We did it. Allez. Hop, on a la vision, c'est moi la vision. La vision. Fantôme. Si t'avais vu un fantôme. Youhou. Ah putain, c'était intense quoi. Regardez-moi cette nuit. Oh, attends, 7 minutes. Attends, elle sert.
Elle revient à la maison. Elle revient dans le monde réel et elle a passé 1 heure dans un putain de temple, totalement hanté, elle, en plus de s'être fait pourchasser par un fantôme à la fin, et on se rend compte qu'en fait ça a duré 7 putains de minutes. En fait, dans le monde réel, quand elle est retournée dans le monde réel, ça n'a duré que 7 minutes. Mais dans là où elle était, ça a duré 1 heure. Et... Wow. 30 minutes. Wow. Wow, le truc de ouf. C'était quoi, à la base 6h30 quand on est sorti. On est resté dans ce temps 1h37. Ça, le délire. Et c'est pas juste un rêve. Eh ben je comprendrai. Laisse faire pourchasser par un fucking fantôme. Et où la salle de bain? Je sais plus. Chambre beau. Intense. Salle de bain. Et où est la salle de bain? Et voilà. Et ça pue. What's wrong? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi t'as peur? Aucun. Papa. Bien sûr, je suis ton fils. Oui, je suis toi. Tu es moi. Non, mais quelle est la différence? Qui réside? Comme...
humans. One. You are just like cash that creeps. Less. Ooh. But no, two. Mauvais, il s'est passé. Bien. Oh ben oui. Sûrement pris de ce qui, si je disais. Ah oui, je vois ce que c'est.
que c'est une technique. Pour faire simple, c'est juste une fille auquel fantôme, ok, il se déplace, mais il n'y a que le torse. C'est-à-dire, vous voyez une personne normale en entier. Et ben, le technique, c'est juste que le torse de cette personne. Je crains. Kushimer Reiko. Bathroom and toilet stuff. 360 degrés. Machine expression. Kishima Reiko. Le démon. Ah, on peut dire que ça fait un peu référence au jeu Aoni. Ce qui veut dire démon bleu. Oui, Oni ça veut dire démon et Ao ça veut dire bleu. On peut dire que ça veut dire T-Rex. On a de Snake, la femme serpent. Démon. Ah, Yukai. Sinon, quand même, la manière dont il a écrit Yokai, c'est pas tout à fait exact, même si c'est vrai. J'ai juste écrit de la manière dont ça se prononce. Non, en général, Yokai, ça s'écrit Y-O avec un chapeau dessus, K-A-I. Sinon, ça se prononce bien de la même manière dont ça a été écrit. Yokai. Akamento. En public, toilette. Which you prefer, red paper ou... Ah oui, ça j'ai entendu parler. C'est un fantôme auquel si tu notes le truc quand il te dit papier rouge ou papier bleu, et ben chacune des deux représente une mort que tu veux mourir. C'est soit tu meurs décapité, soit tu meurs noyé. Et il faut juste dire, c'est le cas auquel il n'y a plus de papier toilette. S'il n'y a plus de papier toilette, il y a ce fantôme qui apparaît et il faut juste répondre non non ça va. The red paper will restrain. Et yearns for a blue paper will strangle. Voilà, étrangler, voilà. Soit tu meurs décapité, soit tu meurs étranglé si tu réponds à l'une des deux réponses qu'il te propose. Et il faut répondre chose. Non, t'inquiète. C'est assez curieux quand même. Il y a des fantômes japonais auxquels si tu leur donnes une réponse à une certaine question auxquelles qui se finit par un oui ou par un non,
Non, bah, dans les deux cas, tu meurs. C'est ça le pire. En fait, t'as en fait trois choix. Soit tu réponds par les deux choix les plus classiques, soit tu réponds par une réponse à part. Pas qui veut choisir ni l'un ni l'autre. Pas de papier. Chambre rouge. Wow, là c'est passé un peu vite, j'ai même pas touché. Room curse. Do you like red? J'aime le rouge. La chambre rouge, ça pue quand même déjà. Bloody Red. Le mec a été retrouvé mort, mutilé. Dans la pièce est entièrement peinte en rouge. Je sens ça. Un katana. Et en massacrer une par un par un brutal. Et ensuite brûler le village. Au Molotov. Cocktail Molotov. Disparu. Thank you.
qui rendent une des fans et notre cœur. Un peu particulier. C'est bien, ouais. Bon. Yes! Dans ta gueule, ce chapitre. Hein, pourquoi il a ajouté un point? Je vais finir cette vidéo ici. Ça doit durer sûrement un bon moment que j'ai dû faire ce truc. Donc sur ce, sur la prochaine vidéo.